Parachat, non, tu n'as pas pour l'instant. Parachat de la semaine. Par contre, je sais pas. Ah oui, non, là. Parachat de la semaine, les amis, parachat de la semaine, parachat. Ah, il y a un verre encore. Parachat. Vaetranan. Alors, Vaetranan, c'est Libérot, mais on va pas passer à parler de Libérot, on va parler de quelque chose de particulier. On sait, disait Chachamim, écrit dans le verset. Vaetranan, l'Hachem, Vaetayimor, Hachem, l'Ogim, Atta, Chalotta, l'Arot, et Dablecha, et Goletra, et Yadecha, Chazaka. אשר מי בשמים בארץ אשר יעסיק המעשר גבותיך אברנה וראית הארץ הטובה אשר בעבר הירדן הר הטוב הזה והלבנון טוב ויתחנן מי יתחנן משה 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 אני פה קורא נוסות מי יתחנן משה רבנו למה הוא יתחנן פוקוי לסופליה דיו ויתחנן לשון תפילה תחנונים למה להיכנס לארץ ישראל נכון Puisqu'on sait très bien, à cause du Ham Israël, entre guillemets, il a frappé le rocher. Bon, ça, c'est l'histoire qu'on entend. Au Gan, quand on est petit, on rentre à la maison et sur la table de Shabbat, c'est ce que tu racontes à tes parents. Magnifique. On va essayer de voir quelque chose de très, très, très puissant aujourd'hui. Béhémet, extraordinaire. Que le ramène le juif de Pinchas. Quoi ? Je t'ai des chemises pour l'heure. Vas-y, j'arrive. Ah, je vais exploser, j'en peux plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'ai des chemises. Tu vas un jour, tu vas prendre un bouton dans la tête. Et comme ça, chérie. Soit content. Moi, je crois que j'aime bien le côté film. C'est comme loi. Ouais, c'est comme loi. On va voir le raf qui a dit que vous voulez grossir pour les bras. Ah, c'est pas beau. C'est moi. Il va être content, il va dire toi, t'étudies bien. Bah, au Hachem. Va être Anan. Omrim Chachamim. C'est quoi, va être Anan, mes amis? Alors c'est très rare, vous savez qu'un midrash écrit dans le Divarim Rabba, dans Parashat Vezot Taberacha, il écrit comme ça: Minaïch il palel Moshe beoto aperek chamesh meot vechamisha asar peamim. D'où est-ce qu'on sait que lorsque Moshe Rabbeinu l'a prié à Kadosh Baruch Hu pour entrer en Eretz Israël, il a fait combien de tfilot? Chamesh meot vechamisha asar peamim. Combien de tfilot il a fait? Midrash Rabba, dans Divarim Rabba Vezot Taberacha, 515 tfilot. Pour entrer en Eretz Israël, Chamesh Meot, Chamesh Israël. Tu me sens que je suis artiste? Hein? Tu viens de dire Israël Pamim, non? Non, Chamesh Meot, Chamesh Israël. 515. Ah non, mais 515 fois, c'est Pamim, c'est bon. Il a prié 515 fois. Donc 515 filotes. D'où on sait qu'il avait 515 filotes? 515. D'où on sait? Shenema va être Anan et Hachem va être Lémor, va être Anan, Gematria 515. Tu montes là aussi, s'il te plaît, au tableau. Tu m'écris va être Anan. Tout en haut, tout en haut, t'es trop petit. Voilà. Parce qu'il y en a du boulot là. Monsieur. Alef. Taf. Nan. Voilà. Égal, écris égal. Tav. Écris un tav, couf, tête, tu mets deux crochets là-haut, là, tu sais, deux petits crochets là-haut, tac tac, entre deux, la lettre, la lettre, à côté du tête. Encore un. Non, pas crochet. Comment on appelle ça? Les deux petits. Voilà, et un vav à côté. Un vav là? Voilà. Égal, 515. Magnifique. 515. Alors ça, c'est toujours pour que vous ayez dans la tête les gamatriotes, c'est en chiffres. Les chiffres, c'est des lettres chez nous. Le taf, c'est 400. Le couf, c'est 100. Le taf, c'est 9. Et le vav, c'est 6. Ça fait 515. D'accord? Donc, c'est très rare que le Midrash amène une gamatria. Et d'où on sait que mon cher Rabbeinu... Comment t'arrives à 516? C'est 515. Le taf, c'est 9. C'est 6. C'est 9. Taf, c'est 9. Le tête, pardon, j'ai mis taf. Le tête. Le tête, c'est 9. Et le vav, c'est 6. Ça fait combien? 515. Ok, va être Anan. 515. Magnifique. T'es bon, tu peux t'asseoir pour l'instant, mon tzadik. Pourquoi va être Anan égale tes tâtes que. Alors, va être Anan. T'as pas écrit, ton foutu, il était bien. Regarde, mais va être Anan. Vav, 6. Écris 6 en tout le vav. Non, non. 6. Écris 1. 400. 400. 8. 8. 50. 50. Et 50. Et 50. Le compte est bon, 515. D'accord? C'est bon? Quand tu peux utiliser en Sophie, d'accord? C'est 50. Ok? Ça, 515, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est celui-là?
Ça c'est 515. Tab, écoute, écris en dessous le tab 400. Écris en dessous le tab 400. Ah, c'est pas. On n'a pas de chiffres dans la Torah, nous on n'a que des lettres. C'est pas Itranin, pourquoi Taka Takto. Alors j'ai expliqué. Vas-y, écris en dessous le tab 400. 400. Après c'est 100. Après c'est 9. Et après c'est 6. C'est comme la semaine dernière en fait. D'accord, ça fait 515. On n'a pas de chiffres dans la Torah, on n'a que des lettres. Les lettres sont aussi les chiffres dans la Torah. Donc pour te dire, c'est quoi ces 515? C'est plus qu'on apprend ensemble à chaque fois, c'est quoi les gématriotes? Qu'on apprenne. Je vais oublier 515 directement, mais comme ça on apprend les gématriotes. Quand vous avez un livre, tu comprendras ce que ça veut dire. Tu sais que le taf c'est 400, tu sais que le couf c'est 100, mais roulez, roulez. Ok? C'est bon jusqu'à présent? C'est très rare qu'un midrash, alors des fois Rashi ramène, mais c'est très rare. Une gemara c'est très rare. Où il ramène? D'où on apprend deux, parce que la gématria du monde dans la Torah, hein, c'est ça. Donc d'où on a appris que Moshe Rabbeinu a prié 515 fois pour entrer en Israël, du Vaetranan. Le mot Vaetranan, c'est ce que c'est bien d'apprendre. Yafemeot. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset que je viens de voir? Lorsque Moshe Rabbeinu, il va prier à Kadosh Baruch Hu, Vaetranan Hashem et Lémor, et il va demander à Kadosh Baruch Hu, Dieu, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Rav Lecha, Al Tosev, Daber Elayod. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, stop, Adkan. Ne rajoute pas une prière. Ne rajoute pas une autre. C'est-à-dire que normalement, Moshe Rabbeinu, il voulait prier jusqu'à quoi? Tav, Kouf, Tav, Zayin. Jusqu'à combien? 507 filot. Et à Kadosh Baruch Hu, il a arrêté à combien? À 515. C'est normal, 516 c'est Aliyah. C'est quoi? C'est la gématria de... D'accord? Vous avez compris? C'est Kakadash, Baruch Hu, il y a écrit dans la Torah. Al! Tosef Daber Elayot, Badab Aladabarazé. Ne me prie plus sur ça, ça y stop, Adkan. C'est-à-dire que moi, Moshe avait l'intention de rajouter une prière. Et Akadash, Baruch Hu, il l'a arrêté avant le 516. La Shéla, elle est lama. Lama, Moshe Rabbeinu, Behemet. A été mis de Kaven de prier 507 filotes à Kadosh Baruch Hu. Si tu sais que Vaitranan c'est 515, d'accord. Automatiquement il doit avoir un autre truc qui doit être 516. Ah, d'accord. 516, ça doit être genre. Israël c'est combien? Mechila, Sicha ou. Ou Kapara. Alors écoutez bien, attachez vos ceintures de sécurité parce que là il va falloir qu'on vole, mais très 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 haut. Tableau s'il vous plaît. Tableau s'il vous plaît. Tableau s'il vous plaît, écoute bien, c'est extraordinaire, ça change une vie. C'est que ça change une vie. Ça change une vie. Ça change une vie. Regarde. Combien il aurait dû prier Moshe Rabbeinu? 516. C'est ce qu'il voulait? 516. Lama. Non, oublie, n'écris pas 516. Écris ce que je te dis. Allez. Écoute bien, mon tzadik. Okay. Regarde, tu vas m'écrire maintenant le mot. Alors attention, à chaque fois, à côté de chaque lettre, tu mets un point, parce qu'on a pas le droit de l'écrire. Ouais. Tu mets le mot Elohim. Aleph. Et... Non, Aleph. Un point, voilà, exactement. Lamed. Point et point yud point et même tout vite. C'est clair? C'est bon? Il n'y a pas de vin? Non, comme ça. Au-dessous, en dessous le Aleph. 1. 1, 30, 5, ouais. 10, ouais. Et 40. Ça fait combien, monsieur, s'il vous plaît? Allez, 31, 36, 46. 86. Écrit à côté, égal, 86. Maintenant, t'es avec moi? Non. Tu multiplies par 6. 6 fois 86. 6 fois 6, 36. 6 fois 8, 48. Et 3, 51. Waouh, waouh. 4 fois 6. Écoute bien, écris à côté, s'il te plaît. Pourquoi attends, mais les préliminaires. Écris-moi à côté. Attends. Ouais. Écris égal, pour qu'on ait la gématrie, on est en Lachon à Kodesh. Tav. Tav. Kouf. Tet Zayin. Zayin, on a rajouté. Deux points. Voilà, Zayin. Voilà, deux et Zayin. Ouais. Ok, écoutez bien. Il y a un des méfarèches, et je voulais, celui qui étudie avec nous la Gemara, on a dit, et je voulais ramener très souvent. Il a un koach de Rishonim. C'est un Acharon, on l'appelle les contemporains. Mais il a un koach de Rishon. Il a un koach de Rashi, il a un koach Atsum. C'est un des Pirushim sur la Gemara, sur le chasse, qui est le plus puissant, le plus profond. Ça s'appelle le Pnei Yehoshua. Comment?
le Pnei Yehoshua. Il s'appelait Rabbi Yaakov Yehoshua. Rabbi Yaakov Yehoshua, les Israélites, je vois. Quelque chose d'extra. Quelque chose d'extraordinaire. Le Pnei Yehoshua, le Chida, il a écrit dans son livre, quand il est parti en pérégrination à Tunis et en Italie roulée, il a été à Francfort, le Chida, et il a dit, j'ai eu le mérite de le voir, le Chida, hein, et il dit, je n'ai jamais vu un panim, un visage aussi éclairant que le Pnei Yehoshua. Le Chida, il a témoigné sur lui. C'est un Rishonim, un des Rishonim. C'est un Rishonim, contemporain, mais il a une force de... Et dans un de ses livres, dans le, à la chasse, dans Maseret Brachot, il nous donne un chidouche extraordinaire. Vous savez que le Pnei Yehoshua à la chasse, il explique la Gemara, c'est du Lamdan. Mais, des fois, il met comme ça des... Il rajoute. Du sod. Et il te dit, « Sheyesh ba'olam shisha bate dinim. » Il y a dans le monde 6 bedin, chelmala, c'est-à-dire d'en haut. Shesh batedinim. Et il explique que ces shesh batedinim là correspondent à quoi? Ils correspondent à Malaché Chabala. C'est-à-dire que ces batedinim qui existent dans le monde, ils sont là pour juger l'homme qui faute. On les appelle c'est les anges des anges destructeurs. Et Didon apprend cela parce qu'en vérité il y a un verset et le passou qui dit comme ça dans Yéhézkel. Yéhézkel c'est un des prophètes. Écoute bien, il s'est dit égal. Vaïkra, Beoznaï, Kolgador, les morts, qui vous, Pikudo, Taïrish, on parle de quoi? La destruction du Beth Amikdash. Et Yéhézkel, un avis, il parle de la destruction du temple de Jérusalem. Et il dit, il m'a appelé dans mes oreilles, Kolgador, les morts, qui vous, Pikudo, Taïrish, Klimashrito, Beyado, Vine, Shisha, Anashim, Baim, Mider, Shara, Elion. Il y a 6 hommes, et c'est qui Anashim? C'est des Malachim, qui vont descendre sur Yerushalayim pour la détruire. Ce sont les Malaché, Chabala, les anges destructeurs. Et il y a écrit comme ça, Asher mevanet zvona v'ish mikli matzpo v'yado v'lele amar be'oznai avrou ba'ir hara v'iku al tachos nechem al tichamlu. Tuez, massacrez, n'ayez pas pitié. Zaken baruch betula, le vieux, la vieille, le jeune, la vierge, veta v'nashim tabou la mashrit. Il parle de quoi? Destruction du Beth Amikdash. Et la Gemara dans Maseret Shabbat, il dit, Maou shisha anashim, c'est qui ces 600 là? Malachim sont descendus sur Jérusalem pour la détruire. Et il dit à Marab Rizda, Ketsef. Ketsef, c'est la colère aussi. Af, c'est aussi un signe de. Il y a 6 synonymes de colère. Ketsef, Af, Chema, Mashrit, qui veut dire destruction, Mashber, cassure, ou Mechale, c'est quoi? C'est extermination. Et en vérité, dit le Pnei Yehoshua, Sheyesh Ba'olam, on va voir depuis quand? Mimi Shechet, Yeme Bereshit, depuis la création du monde. Shisha batedini migal. Il y a 6, on va dire, batedin shel malaché chabala, chez c'est 6 batedin d'anges destructeurs qui sont là constamment à juger les hommes et à attendre que la personne ait le faute pour lui faire du mal, pour l'anéantir, pour l'exterminer sur terre, pour le faire payer sa faute. Shesh batedin, c'est clair? C'est bon, Igal? Ouais. Ok. Mais ils sont pas justes. C'est... Comment? Ils sont justes. Ils font que des chabala, ils font que des méchancetés. Ils font que ça, que des méchancetés. C'est la midatadim. Parce que le mot Elohim, on va le voir, c'est midatadim. Et nous dévoile le Pnei Yehoshua. Moi, cher Rabbeinu, en vérité, lorsqu'il va être Hanan El Hachem, c'est quoi ces 515 va être Hanan? Hachem dit, alto se fonde la verre là, il d'abord, stop, ne prie plus. Moi, cher Rabbeinu, il kamen, il palel 507 filot, lama 516, qui ratza, moi, cher Rabbeinu, les vatel et chisha batedinim, chez yesh baolam. Les 6. Bet din shel malaché chabala sheyesh ba'olam. Il a voulu 516. Quand tu prends Elohim, qui est le nom du Dieu qui est la rigueur, Elohim, c'est le Dieu, c'est le nom de Dieu qui est la rigueur. 6 fois les 6 bet dinim kafoul Elohim qui est la rigueur, ça fait combien? 516. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu voulait faire. Il voulait annuler la mida de rigueur ba'olam. Il voulait enlever la mida de rigueur ba'olam, qui est plus la mida de rigueur. D'accord? Ba'olam ou pour lui-même? Ba'olam. Je vous ai déjà dit la fin du cours. Ba'olam. Ah bon? Ba'olam. Pas que pour lui. Ba'olam. Ah ouais? Et c'est pour ça qu'il voulait rentrer en Israël, on va le voir, mais tu me dis avant, on va rouler. Ba'olam. Va être un âne, ou qu'est-ce qu'on pense? Il a prié pour lui. Dieu, je t'en supplie, fais-moi rentrer dans Israël. C'est pas ça qu'il voulait, Moshe. C'est comme ça que tu pensais, je te présente. Mais ben non! Presque, attends, c'est rien ça. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas seulement prier pour lui. Simplement, je veux rentrer en Israël.
il voulait, entre guillemets, abolir l'amida de rigueur, Baolam, rentrer en Eretz Israël, et donc devenir le Mashiach Hashem, c'est fini. Abolir la mort, abolir la rigueur. Il n'y a que la Rachamim, quand Mashiach sera que la Rachamim. C'était ça la Kavanah de Moshe Rabbeinu. Et Hashem dit stop, Loïgia Azman. Parce qu'ils vont voter, parce que ceci dit, c'est toi tu vas construire le temple, alors je ne pourrai jamais le détruire, et donc je détruirai le Ham Israël. Et Alto Silver. Mais c'était la Kavanah de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à la fin de sa vie, ce n'est pas pour lui qu'il a prié, Moshe Rabbeinu. C'est pour qui qu'il a prié. C'est pour Ham Israël. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il a quand même enlevé 5 balais d'énigmes ou pas? Alors attends, on va voir tout ça. N'aie pas peur, on est là, c'est parti, mon Kiki. Ok. Écoute. Maintenant, si vous avez compris ça, vous allez voir la splendeur de la Torah, mes amis. Écoutez bien. C'est quoi ce ignan-là des chèches battées d'inim? Depuis quand ça a existé? Depuis quand il y a 6 bedding de rigueur dans le monde qui correspondent à ces malachi rabbala qui sont là, ces anges destructeurs qui sont là et qui attendent que l'homme faute, entre guillemets, pour lui redonner une bonne kliacha sur la tête et lui donner son, lui régler son compte sur place? Mais vos zéba, erzéolar. Comment? D'où ça vient? Voilà, le mot c'est d'où ça vient. Alors écoutez bien. Le Rama, dans Baruch HaYamin Siman, Resh Ain Aleph Sif Yud, il dit comme ça. Lorsque maintenant arrive Shabbat Kodesh Igal, qu'est-ce qu'on fait Rabbi Denis le soir à table de Shabbat? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem ou en Ishtraïl après en. Kiddush. Réveille-toi, Kiddush. Quand on fait Kiddush, on dit quoi? Yom Hashishi, Vayichulu Hashamayim Ve'aretz Bechol Tzeva'am, Omer Arama. Attention, quand tu dis Yom Hashishi, Vayichulu Hashamayim, Titkaven. Tu peux m'écrire Yom Hashishi, Vayichulu Hashamayim, s'il te plaît? Voilà, prends. Non, plus, voilà, bien. Non, plus haut, comme ça on a de la place, on va écrire plein de choses, c'est bien. C'est bien. Yom Hashishi. Voilà, il n'y a pas de lutte, voilà. Vayechulu. Encore un lieu, non? Non. Il n'y a pas de lieu? Il n'y a qu'un à la fin. Qu'un à la fin. Qu'un. Vayechulu. Vayechulu. Oui. Deux vav, encore. Et à la fin, Lamed. Voilà. Hashamaim. Il y a quatre vav comme ça, Hashamaim. Il y a un vav en plus dans Vayechulu, mais c'est pas. Il y en a un trop? Non, pas là. Un seul vav là-bas. Voilà. Non. Annule un vav. Voilà, celui-là. Voilà. Il n'existe pas celui-là. Vas-y, remets bien, réécris. Non, pas tout, juste. Voilà, c'est bien, c'est voilà. Il n'y a qu'un yud de ces chamaïs. Voilà, c'est bon. Tu vas m'entourer le yud de Yom. Entoure-le. Le hé de Hashishi. Le hé de Hashamaïm, si tu veux. Hashishi aussi. Hashishi, le hé. Et le vav de Vaïkoulou. Le vav de Vaïkoulou. C'est-à-dire, ça fait quoi? Yud kevav. Le nom de Dieu, Rachamim. Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim, Atatzri Lechaven, Bekidush, Et Shem Hashem, Shem HaMeforash, Shem HaRachamim, Yudke Vavke, Titkaven, tu fais pas, c'est bien, mais tu fais comme ton grand-père qui comprenait rien. Comprends quelque chose aujourd'hui. Écris égal, Yud, un point. Yud, toujours un point, parce que comme ça, il n'y a pas de problème, voilà. Ok, un point. Vav, un point. Et voilà. Okay. Et donc, c'est quoi? Yudke Vavke, Titkaven. Titkaven, le Shem Hashem, Yud Kivavke, Kela, Rachamim. Vu Omer, t'as odé à Lama? Lama, Bémet, on signe, on fait le kidouche sur quoi? Yom Hashvechou la Shamaim, et y'a Yud Kivavke, Lama. Vu Omer, comme ce qu'a. Omer, Azor, Parashat Touma, Kouf Lamed, Heamoud, Bet. Kad Ayel Shabeta, lorsqu'il arrive Shabbat, il tchardat vit parash mistrachara. Elle se sépare de la sitrachara des forces du mal. Vechol dinin mitarvin mena. Et tous les dinim, ils s'en vont. Vechol shutane rugzin, et tous les pouvoirs de la colère, ou mare des dina, et le din, et la rigueur, couloir kin vitamumina, ils s'en vont et ils n'existent pas pendant Shabbat. Echataos, et comment tu veux que maintenant pendant Shabbat, il n'y a pas le din? Shabbat, il n'y a pas le din. Shabbat, il n'y a que la rachamim. Lama, attends, mère yomashi, vechou la shamim. Tu viens et tu dis yud kivavke. C'est quoi le nom yud kivavke, mon tzadik, à l'inverse de Elohim? Elohim, c'est le nom de Dieu qui est la rigueur. Yud Kivavke, c'est l'amidata. L'amidata. Rachamim. C'est pour ça, écoute bien. Assieds-toi là avec moi.
Omer Baal HaTanya. Baal HaTanya, si tu l'as pas étudié de David, tu vas devenir en Gilgoul, mon fils. T'as rien fait de ta vie, mon fils. T'as entendu ce que je viens de te dire? T'as pas fait le Baal HaTanya, l'os, t'as Shum Daba. Shum Daba. Et on le fait, donc voilà, t'as pas besoin de revenir. Je suis sur des varines. Omer Baal HaTanya. Belikute Torah dans Shira Shirim. Velachen Ektiv, Bechol Shetim et Bereshit. À chaque fois, écoutez bien, dans les six jours de la création du monde, qu'est-ce qui a écrit? Qu'est-ce qui a écrit Lumière de Ranana? Qu'est-ce qui a écrit? Tu arroches. Qu'est-ce qui a écrit? À chaque fois, Vayomer Elokim. Yeyo. Vayomer Elokim. Vayomer Elokim. Les six jours de la création, lorsque Dieu parle de sa création, il y a écrit Vayomer Elokim. Omer Balatania Lama Elokim. Vayomer Elokim. Elokim, c'est la mida de rigueur. Lama. Il dit Shumida Tatsimsum. Parce que c'est la mida de rigueur. La rigueur, elle contracte. Rag Beshabat, une galoubrinat rochma active. Va, et qu'est-ce qu'il a écrit? Quand Dieu, il a créé le Shabbat, va yechal Elokim. Va yechal Elokim. Il a fait, c'est quoi va yechal Elokim? Va yechal, l'achon kelaya. Va yechal Elokim. Akadosh Baruch, il a arrêté le nom Elokim, il a arrêté la rigueur. Il a anéanti la rigueur. Il a mis à bas la rigueur. Shabbat, Baïchal s'est arrêté. Tous les jours de la semaine que Dieu a créé, il a écrit Vayomer Elokim. Tous les jours de la semaine correspondent à la mitzvah d'Adim. Be Shabbat, comme Omer Azohar. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Dans la Torah. Tu le lis toujours. Baïchal Elokim. Pas Baïchal, alors Hachem, il s'est arrêté. Il a arrêté le Elokim. Il a arrêté la mitzvah de rigueur. Et qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Elle est Toldot Shamay, Hachamay, Varez, Beibaram. Beyom Asot. Adonai Elohim. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Beyom Asot Hachem Elohim. Akadosh Baruch Shitev Midata Rachamim. Hachem, c'est Yud Kibavke Elohim. Donc, il y a deux notions dans Briat HaOlam. Les six premiers jours de la semaine, Akadosh Baruch, il a créé le monde avec la Midata Din. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas exister uniquement avec la Midata Din, Midata de rigueur. Ou sinon, le type, il faut au timer sur place. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a associé à la Midat Adin, la Midat de Et d'où tu vois la Midat Rachim de Dieu? En quel nom de Dieu? Yudki Vavke. C'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Elle est Toldot Hashem Vares Beibara. Voici l'histoire du ciel quand ils ont été créés. Beyom Asot Hashem Elokim. Lorsque Dieu, Yudki Vavke, et Elokim, il a fait. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, Shitef, il a associé son nom, Yudki Vavke, qui est la miséricorde, dans le nom Elokim, dans tous les autres jours de la semaine. Et où tu vois ça, Rabbi Yigal, Davka dans Shabbat, Koidesh, Yom HaShiva, Yichulu HaShamayim, Yud Ke Vav Ke. Shabbat, Endin, uniquement la Rachamim, Velachen, Umeko, Abracha, Velachen, Shabbat, Yirichu, Akro, Alavo, on ne prie pas pour la réforme. Shabbat, c'est la réfoua, Shabbat, c'est la Bracha, Shabbat, c'est le Nirvana, Shabbat, c'est le Mashiach, Shabbat, c'est le Gana Eden, c'est un 60e, Dieu, la Maba. Shabbat, c'est avec moi, ou tu fais dodo? Non, t'es là. C'est la fin du Shabbat. T'as compris? Vous êtes là? Ok. Donc tu vois quoi? Kakadosh beaucoup. Et il y a écrit donc Vayechal Elokim, Vayom Hashivi. Vayechal Elokim, Hachem, Vayom Hashivi. Il a anéanti le. La notion de Elokim, la notion de rigueur. Et il a laissé la place à Yudke Bafke. Est-ce que c'est bon jusque-là? Vous êtes avec moi? Ouais. Vous me suivez? Ouais. Alors écoute bien maintenant. C'est que le début pour mettre un peu de piment maintenant pour commencer ce qu'on va dire. Écoute bien. Ok, ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Ok. T'es là? T'es là, mon sadique? Allez. Ton Shabbat sera plus le même. Si ce Shabbat c'est le même, tu m'appelles, tu dis écoute, c'était le même. C'est pas possible. Yevchar. Ce Shabbat sera plus le même. Ce Shabbat chez toi, ça sera plus le même, mon sadique. Écoute ce que je viens de te dire. Vous êtes avec moi? Maintenant, on a compris. On a compris que dans le monde, on a compris. Rabbi Denis, reste avec moi. Je te veux si tu veux de moi. Reste avec moi. Rabbi Denis, écoute bien. Si on a compris que Behemet, il y a ces deux notions du Shem Elohim, et qu'Akadosh Boul a créé les six jours de la semaine avec la rigueur, et c'est ça les Shishabat et Dinim, c'est les six jours de la semaine. T'as compris, gars, pourquoi c'est ça? Pourquoi va six fois Elohim? C'est chaque jour de la semaine, c'est un Beddin chez le Chabat, Machane Chabalah, Machane Chabalah de Elohim. Shabbat, Yud Kivavke, c'est la Racharim. Et Akadosh Boul a arrêté là. La rigueur. C'est clair? Si on a compris ça, hein. Alors écoutez bien.
écoutez bien, il y a une halakha extraordinaire, Shabbat. Alors tu vas me dire, où est le mécor? Je vais te demander où est le mécor. Toi qui es un bahoui yeshiva, toi qui es l'exemple de Ranana. Alors ça c'est bon parce que vous savez très bien que ça n'a aucun rapport. C'est un rapport et tu vas me le dire, tu vas voir. Je te connais, écoute bien maintenant. Écoute bien maintenant. Il y a beaucoup de choses sur la vie. Shabbat, il y a, non, il y a une misa particulière. Ouais. Ça s'appelle, tout le monde le connaît, ça s'appelle l'Echem Mishneh. C'est quoi l'Echem Mishneh? À chaque repas de Shabbat, pour combien que tu aies de pain sur la table, mon petit tzadik? Deux pains. Pourquoi tu as fait ça là? Deux. Ah, tzadik, t'as vu? Deux pains. Deux pains. Pourquoi? Ah, pshat. Parce que dans le désert, Akadash Borou, il a fait descendre le Shabbat deux fois le double la manne. Et pourquoi Akadash Borou dans le désert, il a mis deux fois la manne? Et pourquoi maintenant il faut qu'il y ait les chémichelets sur la table? Parce qu'il te dit, tu prends un pour Yom Shishi, un pour Shabbat. Shabbat ne va pas. Aïe, oui, vas-y. Chercher la manne, il t'a dit, ne va pas. Donc si tu ne vas pas, il faut venir manger Shabbat. Donc il donne un Yom Shishi pour Shabbat. Un pour Yom Shishi, un pour Shabbat. Et c'est le pshat. Ça, c'est le pshat. Mais on n'est pas dans le pshat là. Là, on n'est plus au Gan, les amis. On n'est plus au Gan, mes amis. Je vais demander à notre cher et brillant élève, Rabbi Zerach, monter au tableau. Combien il faut de pain? Écris-moi l'Echem, s'il te plaît. Là où tu as fait ton Yud, là, qui veut. Voilà. Vas-y, enlève-le, moi. Écris-moi l'Echem, s'il te plaît. L'Echem. Vas-y. Alors, la mètre, c'est combien? 30. En dessous, écris 30. 30. 8. Alors, 8. Ouais. Et 40. Magnifique. Écris égal. Égal. 78. T'es sûr? D'accord. Combien il faut de pain pendant Shabbat? Non, non. Deux. Combien de pain il faut Shabbat? Deux. Donc, fois deux les crèmes. Excuse-moi, il en faut deux. C'est pas moi qui a dit, c'est toi. C'est égal combien? Deux pains. Allez, deux pains. Combien ça fait? Ça fait 146. Bah, toi? Il y a fait. Si, maintenant, combien il faut de pain égal? Deux par deux. On est d'accord? Mm-hmm. Il a fait. Si, maintenant, prends-moi le chien Yud Kevavke, qui est 26. Vas-y, Yud Kevavke, j'ai écrit Yud Kevavke. Voilà, écris 26, celui-là, 26 en dessous. Écris 26. Si, 26. En dessous, celui-là. Voilà, c'est 26, d'accord? Ouais. Ok? 3 fois 26. Fois 3 égal 6 fois 3, 18. 6 fois 2, 6, 78. Il a fait. Mais combien il faut de pain? Il faut deux pains. Vas-y, fois 2, 70 fois 2, c'est combien? Fois 2 égale ça. Ça fait combien? 156. Lama maintenant, Alpi, Miomer Abne Issachar. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux, les chémichnés sur la table de Shabbat? Parce que toute la semaine, qu'est-ce qu'on a là, l'Elokim? On a chèche Batedinim. Les 6 Batedinim d'Elokim, c'est quoi? C'est la rigueur. Mais Shabbat, c'est quoi égal? C'est quoi, Denis? C'est la Rachamim. Donc Shabbat, faut annuler la rigueur. Donc on prend les chèmes qui est quoi égal? Les chèmes, c'est combien? 2. Mais il y a deux pains sur le table de Shabbat. Ça fait combien? 156. Mais là, quand tu prends le nom de Dieu. Ouais, les produits, tu parles forêt, c'est ça. Je voilà. Ouais, c'est quoi la question qu'on a exposée? Combien? Pourquoi tu me dis pas quoi? Combien il y a de bâtés d'inim dans la semaine? Je répète encore une fois. 6. Donc tu n'as lié combien de bâtés d'inim? Ah, 2 fois 3. 6. Donc tu as 2 fois 3 points, tu as 2 pains. D'accord? Ça fait combien? 156. Je répète. T'en as eu 3 par pain? Non. Yavé, 3. Yavé, mais t'as compris? T'as compris? Écoute bien. Il y a dans la semaine Kisha Batedinim. On a 6 Batedinim. On a 6 Batedinim du Shem Elohim. T'es d'accord avec moi? On a 6 Batedinim Shem Elohim. Donc on a 6 Batedinim qu'il faut annuler. C'est quoi le Shem? Hashem qui annule Elohim. Yud-Kevavke. Donc il faut que j'ai 6 fois Yud-Kevavke. Donc tu vas prendre quoi? L'Echem. L'Echem, c'est quoi l'Echem? 78. Mais j'ai 2 pains. Donc c'est quoi 78 plus 2 pains? Ça fait 156. Ça fait quoi 156? Ça fait quoi? Ça fait Yud-Kevavke. Fois 6 en tout. Ça fait fois 6. J'ai 2 fois. Shamata. Est-ce que j'ai 2 pains? Parce que j'ai deux pains. Vous voulez montrer les 78 que c'est. Il y avait, bien sûr. Bah oui, bah oui, bah oui. T'as compris? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir deux pains sur la table de Shabbat pour annuler les 6 batedinim d'Elohim. Alors on met deux pains. L'Echem Gematria.
70. Et 70, c'est 3 fois 26. 3 fois le nombre de Dieu. Et si, comme j'ai deux pains, t'as compris ? Le nombre de Dieu, c'est 26. Non, ça, j'ai compris. Le nombre de Dieu, c'est le qui va frire. Ça, j'ai compris. C'est le 3 qui le dérange. Non, c'est pourquoi nul. La première truc, j'ai compris pour vas-y. La nulle des 6. Oui. Là, je comprends pas en fait les 26 ou 3. Bon, j'ai compris les deux pains. Non, non, c'est que t'as pas compris. Là, je répète, c'est pas grave. Non, mais on annule pas Yud Kevavke. Au contraire, on rentre dans Yud Kevavke. On annule pas Yud Kevavke. J'ai lu les Lokim. T'as sait que t'as compris. Il y a le nom des Lokim qui est la rigueur. Ça, j'ai compris. Maintenant, combien il y a de Batedinim de rigueur dans l'année, dans la semaine ? Il y en a 6. Donc Shabbat, il faut que j'allume ces 6 Batedinim. Je sais pas que j'en ai eu 1, il faut que j'allume 6. Quel est le nom de Dieu qui allume Elohim ? C'est Yud Kevavke. Yud Kevavke annule Elohim. Mais Yud Kevavke, c'est 26. Donc maintenant, pourquoi on te dit qu'il faut que sur la table de Shabbat, t'es jeté l'Echem ? Il faut que t'aies deux pains à la table de Shabbat. Parce que le pain qui est sur ta table de Shabbat, il va annuler le djinn. Pourquoi il va annuler le djinn ? Parce que la gématria de l'Echem, c'est 78. L'Echem, un pain, c'est 78. Et 118, c'est 3 fois Yud Kevavke. Donc j'ai 2 pains. Donc ça fait 3 fois Yud Kevavke, 3 fois Yud Kevavke, ça fait 6. Ça annule les sinon d'Elohim. Et tu adoucis le djinn dans Shabbat. Tu n'as pas le djinn pendant Shabbat. T'as compris, Gal ? T'as compris ? Ouais. T'as compris ? T'as compris pourquoi il faut 2 pains dans la table du Shabbat ? Pour annuler le nom Elohim qui est 6 fois. T'as compris ? Et si on n'est pas sûr, on fait le samedi matin. On le fait pendant les 3 repas. On fait ça pendant les 3 repas. C'est clair, Gal ? C'est aussi la lacha pour son échec. Et aussi pour ceux de la Shlishit. Les Khatrila. Alors si t'as pas, c'est pas. C'est pour ça que tu fais sur le Jumézolab. Ça fait 3 fois 2 pains. Ça fait 6. Ouais, c'est pour ça. Pour éliminer les 6. Ça fait 6. Comment ? 3 repas de Shabbat. Ça fait 2 pains, ça fait 6. Et si c'est. C'est ça qu'il veut. Il veut dire. Non, c'est chaque repas. Non, c'est pas ce qu'il s'appelle. Bah, si c'était ça, il aurait dit. Je me suis dit pas ça. Non, mais voilà, ça va, il veut pas ça. Il y a fait. Ça redouche. C'est le 3 qui nous quand tu écriras ton livre, je dirais Rabbi Igal, voilà comment il dit. Là, c'est le Bnei Issachar, et il dit qu'à chaque repas, il faut aller le dire. Non, si tu n'écris pas ton livre, je ne pourrai pas le dire. On va te ok. Alors maintenant, mes amis, est-ce que c'est clair ? C'est clair. On va terminer en beauté, Be'ezrat Hashem, s'il vous plaît, on va terminer en beauté. Je sens qu'il va dormir tranquille ce soir. On va terminer en beauté. Il ne laisse pas de... Non, mais Julien n'est pas là. Écoutez bien, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset. Écoute bien, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset va être Anan. El Hashem va être Aï. C'est quoi va être Anan, on a dit ? C'est quoi va être Anan ? C'est que Moshe Rabbeinu, il a comme Anan de faire 516 tfilot pour annuler l'amida de rigueur, les 6 batedinim du Shem Elohim. Il y a 6 qui correspondent aux 6 jours de la création où il y a écrit Vayomer Elohim. D'accord ? Et 6 fois Elohim, ça combien on a vu ? 516. Moshe Rabbeinu voulait prier 516 tfilot pour annuler égal, les 516 corotte, force de rigueur des 6 jours de la semaine. Hachim a dit stop. Il a pu faire que 15. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset va être Anan El Hachem. Pourquoi va El Hachem? Pourquoi va El Hachem égal? Parce qu'il a voulu prier quoi? El Hachem Yud Kevavke. Il voulait amener la Rachamim. C'est pour ça qu'il a dit Hachem Elohim Atach Elota Leharot Et Abdecha. Pourquoi Hachem Elohim? Hachem Elohim, il voulait annuler la Mida d'Elohim, la Mida de rigueur. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, Moshe Rabbeinu ? Je l'ai dit déjà avant. Pas il a prié pour lui simplement, il voulait rentrer dans l'Israël. Ou Ratsa, l'Aviet, à Géoula. En annulant la Midat Tadin, Barolam, il voulait amener la Géoula, la délivrance finale pour l'âme Israël. Hachem aussi voulait amener la Géoula. Hachem aussi ? Non, le dernier, stop. Arrête, le dernier. Alors voilà. Alors je vais amener la Géoula, Hachem aussi ? Bah, ouais, au contraire. Les deux. Non, on connaît. Hachem, il a dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu vois, voilà. Ne demande plus. Arrête. Parce que si tu demandes, j'ai trop obligé de le faire. Et c'est pas le moment. Parce que si tu rentres. Alors il a arrêté. Il a arrêté pour ne pas. C'est il a fait ça pour nous parce qu'il savait Hachem que c'était pas le moment. Donc les deux, ils ont. Il voulait pas Hachem. T'as compris le Igan ? Attends. Et c'est ça qui a écrit Moshe. Il voulait prier pour la Géoula. Il voulait rentrer dans Israël, construire le Beth Amikdash et amener la Géoula finale et qu'on vive Mashiach. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit, c'est pas le moment. Si tu rentres maintenant et tu fais toi, on aura un gros problème avec l'armée d'Israël. Ils vont fauter. On veut pas ça. Maintenant, écoutez bien. Si en vérité tu comprends que Moshe Rabbeinu a voulu prier pour quoi ? Pour la Géoula, Shlema. Alors maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vas voir comment tu vas bien faire dodo ce soir, Bezrat Hashem. Hachem nous a donné. Regarde comment Hachem il t'aime. Regarde Hachem comment il t'aime. Je te parle à toi personnellement. Hachem, il est fier de toi. Je suis sérieux quand je te parle. Akadosh Baruch, il est fier de toi. Il voit ton cœur, il scrute ton cœur, il est bon. Il est vrai. Je rigole pas.
Hachem, il te dit, tu es encore bon, mon fils. Qu'est-ce qu'il t'aime, Hachem? Il va te le prouver qu'Hachem, il t'aime. On dit tous les jours à la synagogue, mais pas qu'une seule fois. Un passage dans la prière, un passage dans la, pendant la tuila. Aïe. Oi. Oi. Oi, Yigal. Oi. Mishimedaber. Pendant ce moment-là, il ne faut jamais pendant la prière. Mais celui qui prend son portable, celui qui parle à ce moment-là, celui qui fait autre chose, qui prend sa gemara à ce moment-là. Oi. Malheur à lui. Pendant ce moment-là de la tuila, toute la tuila, c'est pas bien. Mais là, malheur à lui. C'est pas moi, c'est le Zohar. Moi, quand je voyais que les gens parlaient trop pendant ce truc-là, j'avais sorti tous les trucs du Zohar. Je l'ai encore dans mon ordinateur, je peux le sortir. Je l'avais fait imprimer avec des gros trucs. Ben, c'est vrai. J'avais fait un poster grand comme le tableau. Je l'avais mis sur la synagogue comme ça. Je l'avais mis comme ça. Et je l'avais accroché. Ben, que c'est vrai. Ça a marché ou pas? Tu sais, le fou, j'en avais fait peut-être 100. Toute la synagogue, je l'avais repeint, retapissé de ça. Non, ils m'ont pris pour vous, ouais. Et ça parlait trop. Non, qu'à ça, du moment à un moment donné, les gens disent plus attention, j'ai chutu. Quoi? Mais tu vois ce qu'il y a écrit dessus, fils? À mon avis, le mec, c'est qu'il croit pas en Dieu s'il parle après. Non, il croit pas en Dieu. Et c'est quoi cette fille-là, mon tzadik? C'est quoi cette fille-là? Omer à Arizal, Béchar, à Kavanot. Écoute bien, mon tzadik. C'est pour toi, mon Dan. Itgadal, Vidkadash, Shemer, Abba. Tu me l'écris, mon petit tzadik? Itgadal, Vidkadash, Shemer, Abba. Itgadal, Yud. Tav, Gimel, Dalet, Lamed. Vid Kadash, Vav, Yud, Tav, Kouf, Dalet, Shin. Je sais. Shemé, Shin, Mem. Shin, Mem. Non mais attends, t'es trop près. J'aime pas quand c'est trop près. Ah, c'est ça là. T'es trop près. Tu l'as écrit trop loin, mais tu commences plus bas, c'est pas grave. Non, faut que ce soit à côté. Un peu plus loin. J'aime pas quand c'est trop côté. Shemé, il y a un Yud. Attention, c'est le seul piège. Non, pas là. Après le même. Shemé. Shemé. Yuhé. Il y a un Hé. Shemé avec un Hé à la fin. Un Hé. Vas-y. Un Hé. Rabat. Aleph. Voilà. Rabat, Aleph. Avec un Aleph. On le lit 10 fois par jour. C'est fou, on le lit 10 fois par jour. Et pour moi, il est. T'es là? Ok. Tu peux me prendre les rachetés votes, s'il te plaît? Deux. De Yud, tu me l'entoures. Vav, non, tu fais pas le 10, on s'en fout pour l'instant. Ouais, tu dis quoi tu, après, vas-y, après on verra. Ouais, vas-y, écris 10. Mais entoure-le-moi, le Yud. Entoure-le-moi, le Yud. Entoure-le-moi. Ok. Idgal, Vid Kadash, le Vav. Shin et le Resh. Et écris-moi un truc que la valeur numérique. 6. Shin, 300. Resh et 200. Égal. C'est marrant, hein. Égal. Aïe. Va être un allé à l'HM, mon cher Abelou, lui prie combien de tuilotes? 516. Quand tu viens et tu vas à la synagogue, mon tzadik, et tu dis, « Idgadal, Midgadash, Emeraba, Machelo. » Aïe, aïe, achol, mon cher Abelou, lui pas l'allé à l'HM, qu'est-ce que je lui dis, stop? Parce que mon cher Abelou, n'a pas pu prier à Dieu. Toi, à chaque fois à la synagogue, t'es achol et agil. Tu peux dire la 500e tuilote que Moshe, il n'a pas pu faire. Quand tu dis, « Idgadal, Midgadash, Emeraba, écris-moi, Yud, Vav, Shin, Resh, c'est Yosher. Yosher. Mazé Yosher, 516. C'est quoi 516? C'est quoi 516? Yo, Shin, Vav. Yosher. D'accord? C'est la droiture, c'est la justice, c'est la Yosher, 516. Ce que Moshe Rabbeinu a voulu, attends, supplier Dieu de prier. La 516e filote, toi, quand est-ce que tu le dis, mon tzadik? Quand il est à la synagogue, il dit, Gadal, Vidkadash, Emeraba. C'est la 500e fila que mon chien a pu dire. Et c'est quoi cette fila, Igal? C'est la fila d'Akeoula. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Idgadal, Vidkadash, Shemeraba. C'est du futur. Il va être grandi. Il va être sanctifié. Shemeraba, ton grand nom. Il va être grandi à Kadosh Baruch Hu, ton grand nom. Pourquoi on dit qu'il va être et pour l'instant il ne l'est pas? Monte au tableau, monte ton créneau. Il a écrit à la fin de Parashat Béchalach. Il a écrit que à la fin de Béchalach, d'accord? Milchamet Hashem Amalek, on fait la guerre avec Amalek. Et il y a qui là-bas? Kiyad Al-Kes, il y a Milchama Hashem Amalek. D'accord? Alors tu m'écris juste, pour qu'on comprenne, tu vas m'écrire Kiyad Al-Kes, il y a. Qui? Yad? Kiyad? Qui? Voilà, Yad, Yad, pardon, qui? Bon, qui? Qui? Yad Al, Aïm? Yad Ad Al, Al, Kes? Kes.
Et qu'à sa mère. Et Yav et Yud et un point et un ré, parce qu'on ne peut pas l'écrire. Yud, point, point, et ré. Voilà. Qui yad al kes ka, Mirjem Alek. Igadal mikala shem rabba. C'est quoi le shem rabba chez la Kadosh Borou? C'est quoi le grand nom de Dieu, le tétragramme, le shem améphorache? C'est Yud Kevavke. C'est le nom infini de Dieu. Maintenant, pourquoi hein, le nom de Dieu n'est pas entier? Parce que Amalek, et c'est qui Amalek? C'était doute, c'était lourdeur, c'était Yud Kevavke. Amalek, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quoi? Le vav du nom de Dieu. Il nous reste que le Yud et le Hé. Il a pris le vav et le Hé. Écris-moi un petit peu plus loin. Vav et après Hé. Avec un point. Un point, un point, un point, un point. Un point, un point, voilà. Ça, c'est Amalek. Amalek, il a pris le vav et le Hé. Qu'est-ce qu'il nous reste, mon tzadik? Que le Yud et le Ké. Et c'est ça qu'on dit à Kadoshbrou. Id Gadal veit Kadash chez Meraba. Le Yud que je t'ai entouré, c'est combien? 10. Le vav, c'est combien? On a fait 6. On y va, il y en a. 6, ouais. C'est bon? Ouais, on est là. Là. Et chez... Alors, tu veux parler ici, là, ici? Non, non. Il gadal vit kadash. C'est quoi? C'est quel nom de Dieu? Pourquoi on dit vit gadal vit kadash et meraba? Machaser la nous. Qu'est-ce qui manque? Il manque le vav et le hé. Vit gadal vit kadash et meraba. On vient, on dit que kadash bov ou ton grand nom, il soit complet, il soit entier. Qu'on puisse pas simplement l'écrire ya, yudke, mais avec le vav et le hé. Parce que qui a volé le vav et le hé du nom de Dieu? Il gagne. C'est qui? C'est Amalek. Alors maintenant, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ça c'est Amalek. Yahvé, quand tu prends avec ta Shemé Rabba, regarde Shemé, d'accord? D'où tu sais que c'est ça? Shem, regarde, c'est quoi Shemé? Écoute, Henri, c'est Shem Yudke. Shem Yudke, le nom Yudke. C'est ça qui nous reste. Et nous, on veut que Yahvé Kedash, Shem Yudke Rabba. Que ce ne soit pas seulement Yudke, qu'il soit écrit entier, Yudke va. Ok. Est-ce que c'est clair, Igal? Je ne sens pas là, Igal. T'es bon, t'es là? Yahvé, t'es là? Il a décollé là. J'ai pas compris. C'est s'il vous plaît, dans le présentateur. T'as compris ou t'as pas compris? J'aime Yah. Oui. Le Rech alors. Il gagne contre lui. Il gagne avec Kadash, Shemé. Regarde comment t'écris Shemé. Shemé. C'est Shin même. Écris-moi en bas Shin même. Shin et même. En dessous, le Shin est le même. Shin et même Sophit. Et même Sophit. Voilà, c'est ça. Shemé. Et plus loin, Yud et Ké, ce qui reste. Ah, Yud, écrit. Ah. Non, là-bas, à côté du Shem. À côté de Shem. Ici. À côté du Shem, au plus près. Okay, ouais. Yud, un point. Un point, un point. Et Ké. Ben c'est le nom là où tu m'écris Shemé, c'est ça. Shem Yudke. Ah, il gagne avec Kadash, Shem Yudke, Rabat. Parce qu'il reste que le, on a que le Yudke, il lui manque le Vavke. T'avais pas compris? Si, ah, t'avais compris toi. T'as compris? C'est clair? C'est ça, voilà. Maintenant, tu peux me dire quelle lettre du nom de Dieu il manque? Le Vav et le. Le Vav et le Ké. Écris-moi en dessous, à côté. Vav et Ké, c'est combien? 11. Vas-y, écris-moi 11. À côté, égal. Ok, calcule-moi combien de lettres il y a. Il gagne avec la Chimérabat. Combien de lettres? Combien de lettres? Combien il y a de lettres? Ah, total? Ouais. Tout. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Il gagne avec le Kadash, c'est combien de mots? Tu l'as dit tout seul? Combien de mots? Combien de lettres? 4. De mots? Mots. Combien de lettres? 11. Il gadal vit kadash. Regarde, refais. Il gadal, vas-y, va il gadal. Il gadal. Yud. 5 et 6. 5 et 6. Ça fait 11. T'as compris? Ça qu'on dit. Il gadal vit kadash. En remèse au début de la. Tu l'as que tu fais, du kadish que tu fais, il y a 11 lettres. Pourquoi? C'est les 11 lettres qui mangent à quoi? Shem Yudke. Il gadal vit kadash. Shem Yudke. On veut rajouter, quand est-ce que le Shem Yudke sera grand? Quand on va rajouter les 11 lettres, le 11. C'est quoi Yudke qui manque au nom. Le Vavke, pardon. Le Vav et le Ké qui manque. T'as compris, Gan? C'est un Vav alors, c'est pas un Vav. C'est un Vav, c'est un Vav, c'est un Vav. Vavke. Mais c'est que c'est un Vav. Oui, d'accord. Vavke. Combien d'êtres il manque? 11. C'est pour ça que le début du Kadish, il gadal vit kadash, combien de lettres? Rabbi, combien de lettres d'Abraham? 11. Pourquoi 11 lettres? Parce qu'il manque Shemé, Shem Yudke. Combien Shem Yudke il manque? Vavé, il manque le 11. Donc on dit Igala Vidkadash, Shemé, Shem Yudke. Rabat, t'as compris? Igal, t'as compris? Yafé, Méod. Et quand tu viens et tu fais le Kaddish à la synagogue, ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. Ce que Moshe il n'a pas pu faire. Ata Omer, Ata Mevié, Ata Geoula. C'est ça qu'on amène la Geoula. Quand tu fais le Kaddish, Ata Mevié, Ata Geoula, c'est la 500e fila que Moshe il n'a pas pu faire. Maintenant, reste assis, reste ici, ne bouge pas, ne bouge pas, non, ne bouge pas. Hein. On termine avec ça, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, on ne peut pas s'arrêter là. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. D'après ça, on va commander quelque chose d'extraordinaire, on termine, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise là, que tu mets là-haut, pour bien partir. Il y a écrit, lorsque Yosef Hatzadik,
Il a été vendu par ses frères, Yakrim Zan. Et donc, tu sais, il y a tout le stratagème qu'il a fait. Vous vous rappelez ? Il a mis dans le truc de Binyamin, le truc, vous vous rappelez ? Ils ont dit comme ça, les frères. Écoutez bien. Vayomru, Ish Elachiv, Aval Hashemim Menachem. Tu peux m'écrire, s'il te plaît, entièrement ce passage, je peux pas, c'est comme ça. En bas, il est en bas, en bas, en bas. Vayomru. Vayomru. C'est Vav Yud Aleph Mem Resh Vav. Super, Aleph, ouais. Après le Yud. Il n'y a pas de Vav, hein, Vayomru. T'as un Aleph, exactement. Ish. El. Ish et Aleph Yud Shin. Voilà. El. Aleph Lamed. Achiv. Bien fait. Aval. Aval. Hashemim. Aval Kampra. Voilà. Hashemim. Hashem avec Aleph. Aleph. Shin, Mem, Yud, Mem, Sofit. Anachm. Stop, arrête-toi là. Je voulais tout le pasouk. Donc ils ont dit, quand ils ont vu ça, ils ont dit Aval. Ils ont dit chacun. Ils ont dit chacun son frère. Aval, nous sommes tous responsables. Alachinu Asherenu et Tsarat Nafsho, on a vu comment il était, il nous a supplié de le sortir du bord. Bitranenu, Elenu, il nous a supplié. Il nous a supplié. Mais l'Oshamanu, et on ne l'a pas écouté. Alken, Baa, Elenu, Tsarat, c'est pour ça qu'elle nous vient ce malheur-là. Omer, Amagele, Amukot, Omrim, Chazal, Omer, Amidrash, Omer, Omeret, Agmara. Il n'y a pas une génération qui ne paye pas la faute de la vente de Yosef. Ad ayom azeh. אנחנו צריכים לשלם, לחפר על מחירת יוסף. הרוגי מלכות זה הפעם השני ניסה. אמר רב יהודה, לא נמצאו הרוגי מלכות אלא על מחירת יוסף. פורקו ההסקר אלא הרוגי מלכות, לדי מרטיר הוא הייתה דונה, הכל זה אמרנו יוסף. אמר רב יבין, הרי אומר השרה, השרה כל דור ודור עדיין לא תוחת עליו. תות לג'רסיון הג'יס כי הוא פרטיר, דולה ג'נרסיון, פור לפות דולבנט דו יוסף. Tu peux te lever maintenant, Tzadik ? S'il te plaît. Il y a un truc qui est très particulier là. Regarde, Yeskaï, dans ce que tu m'as écrit. Vayomru, Ish. Alors, il y a un Aleph. Ouais. Vas-y, un petit rond sur l'Aleph. Un petit rond sur l'Aleph. Un rond sur l'Aleph, il y a des séries. Tu me l'entoures. Elle. Entoure-le-moi. Elle. Ouais. Tous les premiers Aleph. Tous les premiers Aleph. Vas-y, vas-y. En plus de la Torah, c'est qui cette phrase ? Ouais. Ouais. Ah, bah tiens, mille, Yomru, va Yomru. Non, laisse-le. Combien on a de Aleph ? Combien on a ? Il y a 6. Omrim Chazal, les 6 fois où il y a écrit dans le pasouk Aleph d'affilée, c'est quoi ? C'est les chèches batédinim. C'est à ce moment-là, parce qu'ils ont été Hashemim, parce qu'ils ont maintenant vendu leur frère Yosef qui ne veut pas vendre. Alors ils ont allumé la midat adin. Les Aleph, 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 Aleph correspondent à quoi ? Six Pamim Elohim. Wow. Comment ils commencent Elohim ? Aleph. Aleph, Elohim, 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 Elohim. Ils ont un. Ils les couvrent, et midat adin. Sur eux et sur l'âme Israël. Les Shisha, Aleph, qui a écrit à la fine, qui a écrit dans la Torah, Aval, Ish, Bayamou, Ish, El, Akhim, Aval, Hashemim, Anachnou, les 6 Aleph. C'est 6 fois Elohim. C'est les Shisha Batidinim. Ils ont éveillé la midat adin. Ah, Sarah, elle ouvrait Malchut. Mais Choldor Vador, il y a 10 qui doit mourir. C'est la mitra d'Adin. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas père là, avant de Yosef. Aïe. En vérité, monte au tableau, monte Sadik. Donc, t'as compris que c'est ça, Shish Elohim. Et en vérité, c'est quoi Elohim ? C'est quoi la mitra d'Adin ? C'est l'antithèse de Yudke. Vavke, à chaque fois qu'ils ont été pogués à Abbé, Ils ont rallumé le din. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont éteint Humida de Rachamim. On a dit que c'est combien ? 6 fois 26, ça fait combien ? 156. Écris-moi, 6 fois Yud Kivavke, 6 fois 26, 6 fois Yud Kivavke. Alors 6. Yud Kivavke. 6 fois. Yud Kivavke. Un point, voilà. Ok. Vous êtes assis là, c'est le bon point, je sais que c'est dur, mais. Et t'es assis, mon Denis, regarde bien. T'as combien ? 26. T'as combien ? 156. Écris, 156. T'as combien ? 156. T'es avec moi ? Ok. En faisant ce qu'ils ont fait, ils ont ravivé la flamme du rigueur, les 6 batédinim, ils ont annulé les 6 de Rachamim. Reste au tableau, pourquoi je t'ai pas demandé de t'asseoir ? Prends-moi maintenant qui ils ont vendu. Rappelez-moi qui ils ont vendu ? Yosef. Ah ! Yosef, écris-moi Yosef. Yosef. Yosef, Yana. Allez, on y va. Yud.
Yud égale 10. Vav. Vav 6. 60. 60. P 80. Tu sais combien? 80. T'as dit combien? 170. 156. C'est belle la Torah, elle est pas belle. Pourquoi 156? Parce qu'ils ont annulé quoi? Ils ont élevé, ils ont éveillé l'amida, ils ont éteint l'amida de Rachamim de 156. Mais ils ont quoi? Ils ont jeté dans le port l'amida de Rachamim. Ils ont jeté la Rachamim sur le port et ils ont réveillé l'amida Tadin. Jamata, il gagne. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Il gagne plus là, il gagne dans le Nirvana, il gagne, il flotte. Il gagne, il vole. On peut se poser la question, pourquoi Yosef? Pourquoi Yosef? Voilà, pourquoi Yosef? Maintenant, t'as compris, Yosef? Il a fait. Du Rachamim. Il est dans l'écriture. Des vrais Yosef, il sait ce qu'ils ont fait. Il a fait. Et là, maintenant, il gagne. C'est la cerise sur le gâteau. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit, le Chanukat HaBetorah. C'est le livre qu'il a écrit comme ça. Il dit comme ça. Écoute bien, t'es avec moi. Il dit que c'est pour ça que tous les Shabbats à la table de Shabbat, il faut qu'on ait deux pains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On l'a écrit déjà dans le tableau. Pourquoi on a deux pains? Parce que un lechem c'est 78. 3 fois 26. 3 fois 26, kevavke. On a deux pains, ça fait 156. Et c'est qui 156? C'est Yosef. Le lechem que tu mets sur la table de Shabbat et qui est la midata rachamim, elle vient réparer la faute et l'avant de Yosef Hatzadi. Qui est la faute des frères? Chatamit kaven. Quand t'es sur la table de Shabbat, avoir tes jeté les chémapanim pour adoucir le din, à t'adoucir aussi également la vente de Yosef pour on laquelle. On est partout Shabbat alors. Yahvé! Et maintenant il comprend c'est quoi Shabbat Kodesh? Non seulement on Shabbat kiffe, Kodesh, non seulement tu kiffes, tu mords, tu bois, et tu répares. Shabbata! Et en plus, le plus important, c'est avec le pain de Shabbat. C'est pour ça qu'il faut que ta femme, elle les tresse elle-même. Et qu'elle ait la kavana. Et qu'elle fasse. C'est le meilleur truc qu'on mange. Et qu'elle prélève la challah. À kol be mitzvah. À kol be ahava. À kol be behemet. Pour. Très bon. Réparer tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Shamata. Shamata. Bon attendeur, salut. Bonne nuit. Ça marche pas avec la pita. Ça marche pas avec la pita. Une bonne soirée.